Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Moi c'est Lydie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo dégustation et on va déguster, donc ça date maintenant, hein, des produits qu'on avait achetés chez Belle-Rosse. Donc j'ai mis tous les produits ici. Passe-moi la bourse parce que du coup je vais montrer la bourse comment elle est juste derrière. Donc ça c'est la bourse, donc alors c'est Belle-Rosse, ouais. Donc la petite bourse est comme ceci, ça se retrouve plus précisément à Barcelone. Je ne sais pas si on peut commander sur le site ou pas, il faudrait que je regarde. Parce que là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Facebook, Instagram et Twitter. À voir si peut-être on peut commander sur le site ou pas. En tout cas, je vous mettrai tout ça, bien sûr, en barre d'infos. Donc, je vais vous montrer vaguement les produits, en sachant que déjà, il y a deux produits que j'ai achetés au centre Leclerc, centre culturel de chez Leclerc. C'est quand j'ai acheté le petit livre de vacances pour Maëlia. Donc, ils ont une petite partie un petit peu coréen. Donc, j'ai pris ceci qu'on va goûter. Donc, je vous montre juste et on fera un détail plus précisément après. Et ceci, en sachant qu'elles ont déjà goûté et qu'elles n'ont pas aimé, je crois. Du moins, Maya n'a pas aimé, Laura, je ne sais pas. Chez Belle-Rosse, donc en Espagne, on a pris les petits mentos comme ceci. Je vous montre vite fait au Fanta. Ensuite, on a pris des petits gâteaux en forme de panda comme ceci. On a pris des petits biscuits apéritifs, je pense. Peppa Pig. On a pris ensuite des petits gâteaux. Donc ça, les petits gâteaux, c'est des mini cookies que Maëlia... Non, Laura a déjà goûté à Salamanque. Elle s'en mord de rire parce que c'est Peppa Pig. Hein. Après, on a pris des petites barres comme ça avec des Smarties à l'intérieur, je pense. Donc ça, on va bien voir ce que ça vaut. Et ensuite, un bonbon. Donc on a pris des petits trucs comme ça. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas, ça a pas une belle tête. Une réglisse comme ceci. Alors, c'est une énorme réglisse. Voilà. On a pris des petits chewing-gums en forme de pastèque. Voilà. Et on a pris ces bonbons. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Pour les tarifs, vous ne les aurez pas parce que j'ai perdu le ticket de caisse. Donc, on se retrouve tout de suite. On va déguster tout ça et je vais vous montrer plus précisément les produits à chaque fois. Donc, c'est parti. On va déguster. Prête? Il y a Laura qui est là, mais vous ne la verrez pas. Vous verrez Pas que du tout. Maëlia. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, ça y est, on commence. On commence par quoi? Donc, la Les première qui papiers. choisit, c'est Maëlia. Après, ça sera Laura. Alors, on commence par les petits biscuits apéritifs. Donc, Peppa Pig. Donc, je vous montre comment ça se présente, comme ceci. Donc, c'est un petit sachet de 22 grammes. Donc, est-ce qu'il y a écrit à quoi c'est? Non. Peppa Pig. Voilà. Écoutez, on va bien voir. On va ouvrir. Si, donc, je regarde. Oh. Je crois que c'est au fromage. Ah J'aime pas le fromage. non. Ah, ça sent le fromage. Attends, fais-moi sentir. Non, non, sens pas. Vous ne voulez pas que tu sentes. Donc, je vous montre comment ça se présente. Alors, c'est même pas des dessins de Peppa Pig. C'est ça. C'est le nez de Peppa Pig. Ah bon? Oui. Tiens. Tu attends? Tu attends? Tiens. Ça pue. Elles ont voulu prendre ça. Alors moi, je sais pas. Oh, ça pue le vomi. Ça sent pas bon. Mais vraiment pas bon. Alors, on va goûter, hein. Elles ont voulu prendre ça, mais c'est au fromage. Maman. Allez, c'est parti. Moi, je pense que je vais pas aimer. Allez, Stink. c'est parti. C'est bon. Non. Ça va. C'est pas dégueu. Non. On sent pas le fromage. Mais alors l'odeur. Alors je crois que c'est au maïs. Snack de maïs. C'est pas au fromage, au Non. maïs. Non, c'est bon. Moi. C'est l'odeur. En fait, l'odeur. Ah non, franchement, l'odeur, elle est pas bonne. Ah, franchement, il faut pas le sentir. C'est Mais pas je crois bon. que dedans, il y a un petit autocollant. Ah, c'est pour refermer le paquet. Hop. Je pense que c'est pour refermer le paquet. Ça, franchement, faut pas le sentir. Mais après, c'est pas dégueu, hein? Non, Ah ben, Laura les aime. c'est Ben, les Laura les aime. Alors, combien on me note ça? Zéro, moi. Laura l'aime bien. Six. Moi, je dirais 5, la moyenne. Faut pas sentir, en fait. Je pensais que c'était du fromage, mais non. Donc, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on peut le refermer. Ça, c'est cool.
Donc ça pour le premier produit. Laura, qu'est-ce que tu veux qu'on goûte? Et mets-toi comme il faut. Non, c'est des bonbons. Ah, des bonbons. Donc on va goûter ceci. Alors, c'est des petits bonbons. Hop. Donc ça s'appelle Nirtz Candy. Watermelon et cherry. Donc je pense que c'est au melon et à la cerise. Donc on a des petits bonbons rouges d'un côté et des petits bonbons verts de l'autre. Donc écoutez. Ouverture. Bon, je sais pas, je vais voir. Non, c'est pas dégueu le truc Peppa Pig. Non, franchement, non. Non, c'est zéro. Il y a un goût de vomi. J'aime pas le maïs. T'aimes pas le maïs? Non mais bon. Ah, l'ouverture est un peu chelou. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc hop, une partie. Alors je vais vous donner ben les deux en fait, hein. Un peu de deux. Oui. Alors donne-moi ta main. Les deux? Bah oui. Mets bien ta main. Oh c'est tout petit. Mais mets ta main comme il faut. Qu'est-ce que tu fais? Jamais partout. Ferme ta main. Ferme ta main. Attends, on t'attend que tout le monde en ait. Tiens. J'espère. Alors, moi, Laura, j'aime. Bien sûr, elle veut pas qu'on la voit. Mets tes mains en forme de... comme ça, là. Comment ça va tomber? Melon, j'aime pas trop. Ça va tomber. Maman, là, regarde, je le mets dans les mains. Regarde, il y en a un écrasé. Oh, toi, t'en as un gros. Je sais pas pourquoi. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Maëlia, tu attends. Ça sent comme les tic-tac. Alors, en fait, c'est des petits morceaux, comme ça. On dirait des petits cailloux. Ouais. Franchement? On dirait des petits cailloux. Ça sent les tic-tac. Allez, écoutez, on goûte. On dirait que c'est des tic-tac. Par contre, c'est pas pratique à manger. J'ai eu le gros. J'aime bien, moi. T'es un peu acide. Ouais, bof. T'aimes bien, toi? Tiens. Ouais, sur le coup, je suis pas trop fan, moi. Tiens. Malia, elle aime bien. Combien tu notes? 9 sur 10. Nora, tu aimes bien? Oui. Voilà, on a les mêmes. Du coup, on va aller au cinéma ce soir. On va se ramener des trucs à grignoter. Moi, qu'est-ce que je vais choisir? Mais moi, j'ai bien envie. Tu crois que c'est moi qui les avais choisis ou c'est toi, Malia? Non, je crois que c'est toi qui avais trouvé. On va goûter les petits gâteaux panda. Allez. Ah, c'est dans des petits sachets comme ça. M'en prends un parce que c'est quel goût. Je vous en ai déjà goûté. Et j'ai pas aimé. Où tu les as goûté? À l'école. Ah bon? Du coup, tu me donnes vraiment la petite morceau. Arrête de gesticuler. Elle arrête pas de bouger à côté de moi, je vous jure, elle arrête pas de bouger. Je suis sûre qu'à la classe, tu arrêtes pas de te balancer et de bouger tes jambes. Oui. Oh, c'est tout petit. Oh, c'est trop mignon. Il y a des petits dessins à chaque fois. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a comme dessin là, mais bon. C'est comme ceci, c'est des petits gâteaux comme ceci, avec des petits dessins. Alors, je t'en donne un. Tu manges pas, tu attends. Arrête de tout renifler. Ça, c'est des petits pandos. Ouais. Elle arrête pas de tout renifler, des petits pandos. Non, des petits pandas, biscuits. Peut-être au chocolat blanc ou je sais pas. On verra bien. Sur le chocolat. Je vais voir. Tiens, Laura. Laura, elle a quoi, Laura? Ouais, par contre, tout c'est pas bien imprimé. Tiens, Laura. Ouais, et hop, bien. Le mien. Tu attends. Non. Oh, c'est un petit panda. Bon, allez, go. Oh, c'est trop bon. Ça me fait penser à un truc qu'on avait quand on était petite. Quand j'étais petite. C'est pas bon. Moi, j'aime bien. Non. Toi t'aimes pas. Et les gros mots s'il te plaît. Hein? Toi, Laura? Bof. Ben moi j'adore. En fait le goût du gâteau il est pas top. On sent le chocolat blanc. Ben, moi j'aime bien. Moi ça me pensait aux petits gâteaux qu'on avait quand on était petite. Des moi, petits gâteaux comme ça. Moi je donne 8 sur 10. Toi? Moi comme j'ai goûté c'est 1 sur 10. 1 sur 10. Allez, à toi de choisir. Allez, qu'est-ce que tu choisis? Les bonbons à la pastèque. La pastèque, il va falloir qu'on croque. Non, vaut mieux à la fin si c'est des chewing-gums. Ouais, c'est des chewing-gums à la fin, ça. Du coup, moi, je vais prendre le rock pile de steak. Alors, on va goûter la grosse réglisse.
qui est comme ceci. C'est Pépé, original. C'est de la réglisse. C'est une grosse réglisse comme ceci. Hop. Là, je le fais passer. Hein. Une grosse réglisse comme ça. Alors, pour ça, pour un bout comme ça. Mais Laura, elle aime bien la réglisse. Non, toi, j'aime pas trop. T'aimes pas trop la réglisse? Non, je demande un petit bout alors. Oui. Attends. Allez. Non, moi, j'adore la réglisse alors. C'est de la réglisse, quoi. Ça. Non, non. Non, merci. Super bon, c'est de la réglisse quoi. Et moi la dernière fois tu me l'as donné un, c'est de la réglisse à la poubelle. Trop trop bon. Bah, je trouve que c'est un peu cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, Laura choisit. Ah, Laura veut goûter les Mentos. Ça c'est moi qui ai choisi. Au Fanta, ouais, c'est toi qui as choisi au magasin en plus. Hop, allez. Bah, ça c'est des Mentos hein. Des petits Mentos, oui, normal, comme vous connaissez, mais au Fanta. Tiens, tu attends. C'est habituel. Tu attends. Si j'aime la miracle. Heureusement qu'on ne fait pas des vidéos de dégustation à chaque fois. Allez, c'est parti. Ça goûte dur. On sent que c'est au Fanta? Non, on dirait l'orange. Ouais, c'est plus de l'orange, quoi. Mais c'est bon. Mmh, c'est super mais bon. Mais après, la réglisse... Ah, ils sont super bons. Tiens. Déjà, les Mentos... En fait, c'est un peu l'orange, mais... Déjà, les Mentos, on kiffe les Mentos. Ça, alors là... C'est gazeux, un peu. Ouais, ça fait un petit peu... Tu sens le goût du Fanta. On sent le goût du Fanta, ouais. Ça. Ça, franchement, c'est super bon. Allez, c'est moi qui vais choisir. On va prendre ces petits bonbons là. C'est des bonbons très bizarres. Très 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 bizarres. Alors c'est écrit en chinois, je pourrais même pas vous dire. Je vais essayer de l'ouvrir comme il faut. Parce que je n'ai pas pensé à faire les photos de miniature. Voilà. C'est écrit en chinois, demandez, c'est écrit quoi au chinois? C'est écrit en chinois, alors je vais essayer de bien ouvrir. Moi, je goûte pas. Faire... Je goûte pas. Ah, on goûte tous, hein. Mais la dernière fois... Vidéo de dégustation, tout le monde goûte. Mmh. Oula, ben il y en a trois. C'est trois boules. Alors, ça se présente... Ah bon, ça sent super bon. Ah, ça sent super bon. C'est trois petits pois comme ceci. Voilà, trois petits pois. J'ai perdu. Trois petits pois. On a rigolé dans cette vidéo. Ouais, voilà, c'est trois petits... Petite boule comme ça, blanche. Une pour toi. Une pour toi, tu attends. Ah, ça sent super bon. Arrête. Ah, la pure. Allez. Go. Je ne sais même pas si c'est un bonbon ou si c'est un chewing-gum. Je crois que c'est un chewing-gum. Ah, c'est chelou, hein. Non. C'est quoi, le dame? Je comprends pas s'il faut avaler ou pas. C'est un chewing-gum. Mais voilà, elle a rien. C'est un chewing-gum ou quoi? C'est un chewing-gum. C'est un chewing-gum au coca? Il est super bon. Ça va, mes bonbons préférés? Bah oui, regarde. C'est un chewing-gum? Je ne voulais pas de chewing-gum parce qu'on a encore des trucs à déguster. Je pensais que c'était un bonbon. Il est bon. C'est un petit peu acide. Ouais. Ça avait pensé un petit peu, vous savez, au bonbon tête du brûlé. Mmh. Ça colle dans. Par contre, ça colle, hein. Non, la texture au début, là, quand tu commences à croquer, c'est tout mou. Ça fait un peu comme la texture des mouchis. Ça fait un peu comme la texture des mouchis, ouais. C'est bon. Et comment on fait? Ben, on va prendre une petite assiette, on va mettre les chewing-gums chacun de son côté. Parce qu'on a encore des trucs à déguster. Ah. Allez, Maria de choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Les cookies. Allez, les cookies. Moi, je croquerai qu'un petit morceau. Regardez la tête de l'autre. Petits cookies. Donc, c'est des mini cookies. Ils sont appelés les Nocilia. Ah. Il y a 5 petits cookies. Donc, c'est tout simplement au chocolat. Si j'aime pas, je te le donne. Hein.
Moi, je mange un petit morceau avec Maëlia parce que j'en peux plus déjà. Ah, mais moi, j'aime pas déjà les cookies. Ah, ben ils sont tout cassés. Donc, ça, c'est bien. On va donner un. Ah, ben ils sont tout cassés. C'est très bien. On va prendre des petits morceaux. Ça se présente comme ceci. Moi, on va prendre des petits. Un mini. Voilà, prends un mini. Toi, Laura. Ils sont tout cassés. Et moi, j'en prends un petit morceau. Alors, les cookies. Parce que. Attends, Maëlia, avant de goûter. Arrête de sentir. C'est des petits cookies. Voilà, mais ils sont tous esclaffés. Esclaffés. Parce que ben, ça fait un moment qu'on les a et on les a mis dans les valises et tout. Donc, allez, hop, c'est parti. Un petit morceau. Go. J'ai des cookies. Rien d'extraordinaire. Hein. Là. J'aime pas déjà les cookies. Hein. Trop bon. Trop bon. Toi, Laura ? Oui, tu as déjà goûté. Oui. Laura, à toi. À toi. Pour ça. On passe du sucré au salé. Du moins, du gâteau, bonbon. Bon. Mmh. Elle nous a choisi ça, Laura. Pourquoi tu veux faire ça avec une clé? C'est pas une clé, c'est un cutter. Alors. À tout moment, on a un chewing gum. Je sais pas. Donc, c'est les diapers XL. Donc, c'est comme ceci. Merci. Et à l'intérieur, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça. Donc, on va se le couper. Hein. On va pas tout manger. Oh, c'est bleu. Oh non. Oh non. J'espère que c'est pas un truc qui pique. Non, mais les trucs bleus, ça va rester sur la langue. J'espère que c'est pas un truc qui pique parce que j'aime pas. Oh. Bah, avec la chaleur. Oh. Oh. En plus, il faisait chaud, pas chaud. Il a rêvé. Non, c'est de rester à la maison, Maëlia. Oui. Oh, Maëlia, vous verrez qu'elle parle énormément. Hein. On ne sait pas de qui elle tient. Maman. On ne sait pas. Ah, le bonbon, il a tout collé, quoi. Quoi? Ben, on va pas manger, ça dit. Bon, on va essayer de prendre des morceaux, mais bon. Maman, fais attention pour avoir sa clé tout seul. Je vais essayer de prendre. Bon, je pense que ça, on va avoir la langue colorée. Mais alors, par contre. C'est la galère. Ouais. C'est surtout que j'ai pas envie de me. Couper le doigt. Couper le doigt, voilà, tout à fait. T'as compris. Alors, tiens, prends-en un petit morceau. Attends, tu attends. Oh là, ça colle. On va les mettre au frigo. Oh, maman, mais ça, c'est quoi? Ça fait penser un peu comme les bonbons tête brûlée, mais. Non, les bonbons de plastique. En fait, voilà, comme il fait chaud, les bonbons, ils se sont tous collés avec la chaleur qu'il fait là. Il faut les mettre au frigo, quoi, parce que. 1, 2, 1. Non, on a oublié Laura. On a oublié Laura. Ça sent bizarre. Tiens, Laura. 1, 2. Moi, je prends un petit bout qui reste là, hein, parce que il faut les mettre au frigo. Hein. Un. Bon, c'est des petits trucs comme ça, mais bon, ça n'est pas très très bon. Mais maman, c'est comme les bonbons tête brûlée. Ouais. C'est un truc à la myrtille. C'est bon. Goût myrtille. T'aimes bien? C'est juste qu'ils sont fondus. J'aime pas trop quoi. Maman, mais oui, c'est un bonbon, tu peux avaler. Ah. Allez, ensuite, il nous reste quoi? Donc ça, on va le mettre à la poubelle. Mm. On le met à la poubelle hein, parce qu'il faut le mettre au frais. Laura, elle va aller le mettre au frais, au frigo, ça sera mieux. Non, finis la vidéo, Maëlia. Ah. Ensuite, il nous reste, donc c'est à moi de choisir. Bon, on va prendre ça. Non. Tac, les petits balistos. Alors, petit balisto. Non, c'est pas des balistos. Berita, la castidos, las casitos. Ça veut dire quoi? Rihanna de crème de abelilana. Chocolate con leche. Alors, c'est des barres de chocolat. Ça veut dire quoi? Je suis en train de le dire, Maëlia. Barres de chocolat. Alors, c'est pareil, ça doit être un peu fondu. Non, ça va. Ouf. C'est des grosses barres. Et chocolat bien. Avec du lait, avec... Alors, je sais pas si des c'est Smarties. Des Smarties ou... Ouais, je pense que c'est des Smarties.
Moi, je prends un petit bout, hein, parce que moi, j'aime pas les martines. Toi, t'aimes rien. Non, mais c'est vrai. En plus, le pire, c'est que c'est elle qui nous saoule pour faire des vidéos dégustation. Et le jour où on fait une vidéo dégustation, oui, t'as la langue toute bleue. Ben oui, c'est ça la particularité, c'est que t'as la langue toute bleue après. Laura, t'as du temps à côté. Hop, donc un pour toi. Non. Et arrête-toi, Paya, c'est bon. Ah, vous allez voir tout le temps sentir. Hein. Ah, ça pue. Tout le temps. Hop, donc je vous ai montré comment ça se présente. Hop, allez, go, c'est parti. Donc, un carré chacun. Il n'y a pas de Smarties dedans. Vous avez eu un Smarties? Ah ouais? Ah, j'en pas. Non, c'est spécial. Hein. Les lunettes, hein, chaque j'aime, fois. J'aime pas. T'aimes pas? Préfère ouais, les... bof, c'est... Je préfère les KitKat. Même quand on croque, ça dure. On dirait que le gâteau, il est pas bon. On dirait qu'il est périmé, le gâteau. C'est fou. Alors qu'il est bon jusqu'en février 2024, quoi. On n'est pas. J'aime pas. Pas du tout. Non. Qui c'est qui avait choisi? C'est moi, non, qui avait choisi? Oui, alors c'est Amaya. À toi de choisir. Ben, il reste que deux, hein, de toute façon. Les deux, c'est des chewing-gums. Ah, c'est des chewing-gums, les deux? Moi, c'est... Alors, il y a ça. Elles ont déjà goûté. Vous voulez regoûter? Je sais pas si... Il en reste encore. Mais en fait, nous deux, on n'a pas eu le même goût. Donc. Alors, je vais vous montrer les petites boules. Donc, il y a des couleurs différentes. Ben non, là, c'est toujours les mêmes têtes. Hein. Oui, mais c'est les mêmes, mais normalement. Voilà, donc c'est des petites boules comme ceci. Et donc, le packaging, c'est le savant fou. Voilà. Moi, je ne l'ai pas goûté. Hein. Je n'ai pas envie. C'est le Canon Balls. Voilà, comme ceci. Merci. Tu veux regoûter, Laura? Ouais, Laura, elle veut regoûter. À rigueur, croque-en un morceau, donne-le à ta sœur. Elles ont des bonnes dents. Moi, franchement, même le truc pastèque, je ne vais pas goûter. Ou alors, elle croquera un morceau, Maya, parce qu'elle a des dents plus solides que les miennes. Parce que moi, je croque ça, c'est bon, je me pète une dent, quoi. Ah. Allez, avant de vous dire, c'est un chewing-gum, non? Ouais, moi, je ne goûte pas ça. Elles vont le goûter. Alors, ça fait quoi? Ça fait un... Le tour, il est dur. Et à l'intérieur, il y a un chewing-gum. Ça fait comme les trucs de mammouth. Mais il y a... Mais ça pique. Ça pique. La tête de Maïa, regardez. Regarde la caméra, Maïa, quand tu fais ça. Non, on met pas un truc sur ma coiffeuse, s'il te plaît. Bon. Non, je vais goûter quand même, rien. Vous allez voir ma tête. Ah ouais, mais moi, j'arrive pas à croquer, c'est dur. Non, ça va, l'autre, qui a déballé, il était encore plus dur. Oui, un peu... Ça pique pas. Il y a été du... Il y a été du... Moi, je suis dans mes dents, j'ai pas envie de me peser une dent. Une dent de moi. C'est dur, hein. Mais moi, j'arrive même pas à croquer. Voilà. Non, ça pique pas. Moi, je préférais ceux-là quand même, moi. Je préférais les mouchis. Hein. Moi, j'avais un chewing-gum. J'aime pas trop, hein. Ça n'a pas de goût. J'ai encore dans la bouche parce que c'est du retour. Non. Maïa, non. Et Laura oui. Laura, oui. Ah oui, en fait, c'est après que ça pique. Hein. Ça pique, hein. Ça, là, j'ai coupé parce que je vous ai dit que ça piquait pas, mais en fait, ça pique. Hein. Moi et Maïa, on l'a craché. C'est simple, on a craché parce que ça pique beaucoup trop. Donc, le prochain produit, c'est ceci et ça sera le dernier. Donc, c'est les chewing-gums en forme de pastèque. Donc, à l'intérieur, vous en avez donc 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai déjà ouvert. Donc, les petits chewing-gums hein, se présentent dans chaque petit sachet comme ceci. Et c'est la marque Fini. Il me semble que la marque Fini, ça se vend sur Lidl. Et
Ce sont des pastèques comme ceci. Franchement, trop trop joli. Donc c'est Laura qui va le couper avec ses dents. Parce que moi je fais ça, je me pète une dent. Elle va couper et elle va en donner un morceau à sa sœur. Et moi je prendrai un petit morceau. Ah bon? Ah ouais. Ben croque un morceau. Maëlia, tu donneras le morceau. Ah, il y a du fruit dedans. Il y a un truc liquide. Non, voyons, montre, je montre la caméra. Donc Laura, elle dit que c'est mou. Et à l'intérieur, en fait, il y a un petit liquide au milieu. Hop. Allez, on donne elle parce qu'elle aime rien. Mais toi, redresse-toi un petit peu qu'on te voit. Tu l'avales ? Non, c'est un chewing-gum. Tu croques un morceau et tu mâches. Mmh, ils vont faire. Hein ? Mmh, surtout comment en ce moment la pastèque. Hein. Mais, ça pique au milieu. Mais ben, j'ai pas eu trop de milieu. Mmh, t'en veux un peu plus, toi ? Moi, j'ai pas eu au milieu. Ah oui, ça, au milieu, ça pique un peu. Il est trop bon celui-là. T'as vu le petit truc au milieu? Rouge, ça pique. Hein. Ouais, ça pique. Ceux-là, ils sont trop bons. Voilà pour la vidéo dégustation. Donc, vous en pensez quoi, les filles? Ce qu'on a kiffé, les bonbons Fanta. Les chewing-gum pastèques, ils étaient super bons. Les petits chips, à l'odeur non, mais ils étaient super bons. Moi j'ai bien aimé les petits pandas. Les petits biscuits, ça ils ont kiffé, donc ça bon, je le partageais parce que ça me trouvait super bon. Ça, les petits chewing-gum spécial mushi. Ce qu'on n'a pas trop aimé, c'est ceci, franchement non. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Ça, les trucs qui piquent là, non. Ça, c'est pas mauvais. Jusque là, ils ont fondu, il faut les mettre au frigo. Voilà, hein, les cookies. C'est des cookies, voilà. Pour la dégustation spéciale, on va dire un peu coréen, produit un petit peu qui sort de l'ordinaire. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Commenter, à activer la petite cloche sur le côté parce que ça fait super plaisir. On fait des bisous et à la prochaine vidéo. Ciao.